thank you, thank you. L'artiste Rapsay. Rapsay. Ah oui, il chante très bien, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Sandrine Chamba, le nom de mon cousin. Il s'appelle Chamba. Angélique Eden. Bonjour, voilà le lien. Hein. Voilà le lien que je vais épingler là. Ce garçon-là, il chante très bien. Bakossi Boy. Voilà. Voilà le lien. Voilà le lien du freestyle de notre frère qui a rendu hommage à l'artiste, à la légende, la Puro de Mbanga. Donc voilà. Partagez le direct. Vous savez que ma page, elle est restreinte. Vous voyez la méchanceté, non? Voilà, nous allons parler ce matin de... Bah, ça concerne le Cameroun. Si c'est des choses pour le buzz à tout prix, c'est bien. Mais si c'est pour détruire les gens et tourner l'attention des gens, nous devons parler. Parce que dans notre domaine, on s'y connaît mieux. Parce que ce que Chantal a ici en train de faire, là, elle veut détruire un enfant comme l'autre. Dynastie le Tigre. Et Dynastie le Tigre répond avec trop de respect. Oubliant que derrière ça, sa vie est en danger. Si vous analysez ce que cette fille a dit, cette Chantal ici a dit, elle veut détruire l'enfant. Elle veut détruire. Elle dit que non, vous voulez gâter le Cameroun, vous soutenez les gens qui détestent la République, qui insultent le président Paul Biya, tout et tout. Voilà comment une femme, elle dit que l'inspiration est finie. Elle n'a plus la force de chanter. Elle a fait son temps. Elle nous a fait danser à l'époque. Mais aujourd'hui, elle devient blogueuse. Blogueuse Mbrakata. Parce que ce n'est pas tous les blogueuses qui sont les Mbrakata. Ce n'est pas tous les activistes qui sont les Mbrakata. Mais oui, mais il y a les blogueurs de valeur. Comme moi, je suis sûr que je suis parmi les blogueurs activistes de valeur qui apportent un plus. Parce que j'apporte le conseil. Parce que les femmes comme ça, là, vous allez voir, si elle ouvre sa bouche, c'est pour vouloir dire comment elle a fait pour que tel devienne aussi grand. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Voilà, tu n'as pas besoin de dire que non, c'est nous qui avons arrêté les mains de l'autre. Lady Ponce ici, là, c'est moi qui t'ai amené. Mais attendez, on a aidé chacun. On a aidé chacun. Voilà, personne n'est quelque part par hasard. Soit tu as triché, ça veut dire que c'est toujours l'aide. Parce que si tu n'avais pas vu quelqu'un faire quelque chose, tu ne devais pas aussi le faire. C'est-à-dire que parfois, on a commencé à voyager parce qu'on a vu les aînés voyager. Voilà, donc toujours dans la vie, il y a tout quelqu'un qui nous motive à faire quelque chose. De près ou de loin, la haine, comme je disais, la haine. Donc cette Chantal ici, c'est une haineuse. Elle a de la haine. Vous comprenez souvent pourquoi un moment de la vie, vous comprenez pourquoi les gens n'atteignent pas un certain niveau. Dieu les bloque. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la haine. Ils ont de la haine. Au lieu de continuer à travailler pour atteindre le sommet, à un moment de la vie, quand ils pensent que non, ils traversent des petits moments difficiles de la vie, ils pensent que c'est fini pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à détester les autres pour rien. Mon ami, on ne brille pas chaque jour. Il n'y a que le diable qui brille chaque jour. Il n'y a que le diable qui te fait croire qu'il peut briller chaque jour. Ou bien qui peut te faire croire que tu peux briller chaque jour. À un moment de la vie là, si tu as brillé pendant 5 ans, tu peux t'éteindre pendant 5 ans aussi. C'est un moment pour toi de faire ta vie, avoir tes enfants, te marier, construire ta vie, construire tes chantiers. C'est un moment de repos. On connaît des gens, tu penses que l'inspiration est finie, non? Ce qu'ils ont dit, ils arrêtent un moment de la vie. Mais à un moment de la vie, on arrête. C'est comme bientôt, je me prépare déjà bientôt à arrêter de faire les vidéos, les directs. Pourquoi? Parce que ça me prend trop de temps. Ça me prend trop de temps. Parce que j'ai des choses essentielles à faire. Parfois, tu as un projet à mettre sur pied. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as plus l'inspiration de faire les vidéos. Faites attention. Chaque jour, j'écris, j'accumule. J'ai les sujets pleins. Que j'ai même déjà écrit jusqu'à trouver la solution. C'est plein là. Mais c'est le temps. C'est le temps. Mais oui, c'est le temps qu'il me faut juste pour venir dire que bon, voilà. Comme ce matin, je parle de Chantal ici. Mais la mère... on appelle qui là? Dynastie le Tigre. Avant de venir sur toi, bah, toi, tu as un problème. Avant de finir avec Chantal ici, partage le direct. Ma page est restreinte. Vous ne voyez pas que l'audience a diminué. Ma page est restreinte. Partagez le direct. Parce que nous sommes ici pour sensibiliser. Ça peut t'arriver. Il faut que je te décrive ce que Chantal ici a dit.
Et maintenant, je vais tomber sur l'autre lui-même en question. Lui-même, il a un problème. Le voilà, il veut tomber dans le piège de ses aînés. Et je vais lui dire que dans la vie, on n'est pas héros dans deux endroits au même moment. Mais pour le moment, là, il faut que Finet ait chanté ici. Mais ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Quand l'inspiration finit, on n'a pas besoin de dénigrer les cadets. On n'a pas besoin de venir aux yeux du monde et dire ce qu'on a fait à un cadet pour rester au top. Non. C'est le travail. C'est le travail qui te fait rester au top. C'est le travail qui te fait rester au top. C'est pourquoi jusqu'ici là, dans le monde artistique, j'ai quelqu'un que je respecte beaucoup. Il n'a pas besoin de dénigrer ses cadets pour rester au top. C'est longueur, longueur. Ah oui, oui. On ne s'entend pas souvent sur tout. Mais je lui dis souvent que non. Tu es l'une des rares personnes qui ne dénigre pas tes cadets. On a beaucoup de personnes ici. On a beaucoup. Puisque même petit pays, c'est un champion de dénigrement. C'est un champion de dénigrement. Voilà. Il passe son temps à dénigrer les cadets, ceux qui sont à côté de lui, de les traiter, de tous les noms parfois, des Washinek, tout ça. Il avait mon sol, comme il parlait de l'autre, de Sami Diko. Non. Un grand reste un grand. On peut d'ailleurs connaître que si telle personne t'a fréquenté à un certain âge de sa vie, dans son passé, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait certains boulots chez toi. Vous savez, à un moment de la vie, Dieu ferme les yeux sur notre passé, sur nos erreurs du passé, sur notre passé sombre. Et il nous pardonne. Mais nous venons nous dévoiler aux yeux du monde. Tu connais quelqu'un qui est en prison pour une affaire qu'il a fait auparavant, personne n'était au courant. Mais pour vouloir se faire voir, se vanter, et rester en public, et trahir. Que tu te souviens, non, gars? Tel moment, non. C'est moi qui avais fait ça. Le gars est en prison jusqu'à aujourd'hui. Le gars est en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Souvenez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur aussi là, on l'appelle, mais c'est qui, Mustapha? Au temps de Barbeau, c'était les gars forts. Les Barbeau lui donnaient l'argent. Lui-même là, on l'invite dans une chaîne de télévision. Il vient dire comment Barbeau lui donnait 300 millions. Mon frère, t'as dit 300 millions, c'est pas l'argent de Barbeau, il n'est plus présent. Hein. Donc ceux qui sont aux affaires aujourd'hui là peuvent remonter l'affaire là. On te capture, ça veut dire que c'est l'argent du Cameroun qu'on t'a donné. On peut te demander de rembourser. Parce que Barbeau, peut-être on peut dire qu'il a l'humilité présidentielle. Il était un ancien président. Mais on peut dire que toi, rembourse-nous ce que l'ancien président t'a donné. Comme il se fait, comme ça se fait partout. Tu es capable d'aller réclamer l'argent de ton père qu'il avait donné à son frère, même verbalement. Si son frère vient témoigner que votre père m'avait donné l'argent, ah bon, tu es capable d'aller demander ça. Donc, à un moment de la vie, il faut fermer sa bouche, le chanteur ici. Parce que vous croyez que vous voulez vous faire voir. Nous tous, là, on a aidé quelqu'un. Personne n'est quelque part par hasard. Souvent, on est quelque part parce qu'on a... Bah, c'est quelqu'un qui nous a attirés là-bas. Que ce soit dans la famille, que ce soit nos amis dans la vie. Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de haine? Est-ce qu'on a besoin de ça? La famille, partagez le direct parce que ma page est restreinte. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ça pour dire que c'est moi chanteur là ici? À l'époque, tu étais une bonne danseuse et tu restes une bonne danseuse. Même le silence, c'est une victoire. Le silence, c'est une victoire. C'est comme l'apprentissage. L'échec, c'est la plus meilleure des apprentissages du monde. J'ai toujours dit, même dans ma vie, quand j'échoue là, je suis en train d'apprendre. Pourquoi prochainement, ça ne m'arrive plus? Les erreurs seront chaque jour. On est toujours en train de refaire sa vie. Chaque jour. Pourquoi quand subitement, vous n'avez plus d'inspiration ou bien vous vous sous-estimez? Ce n'est pas une affaire d'inspiration. C'est une affaire de génération. C'est une affaire de génération. Est-ce que tu penses que Dédé Yamoki ne chante plus là n'est pas un grand chanteur? Non! Non, ne dis pas ça! Les Kingo de Foi qui ne chantent plus là, est-ce qu'ils ne sont pas les grands chanteurs? Est-ce que les 100 fantômes qui ne chantent plus là ne sont pas les grands chanteurs? Est-ce que tu peux les juger même? Mais vous aussi, restez calme. Est-ce qu'on parle d'eux? Est-ce que les Camille Briand qui ne chantent plus là ne sont plus des grands chanteurs? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Non, vous allez dire que non, il faut... Non, faites votre atalakou. Tu peux t'attaquer à Valsero sans vouloir. Vous savez, la politique est quelque chose de très dangereuse. Appelez Valsero en citant le nom de Dynastie Lotsid. Et les choses que nous on fait ici sur la toile, on ne partage pas les noms de ces personnes-là. Mon petit frère, tu es en train de la répondre comme si tu ne dois pas la caresser. Une femme comme Chantal, ici, là,
dynastie. Désolé, je t'ai appelé petit. Tu es un grand. Si le président Maurice Kamto t'a appelé pour te donner 100 000, alors qu'il connaît ta valeur. Voilà, je n'aime pas appeler les gens petits. Ce sont tels qui passent le temps à dire que mon petit, un enfant, non. Quand quelqu'un fait là les choses où les gens sont contents de lui, ce qu'on parle de lui, il n'est plus un enfant. Quand quelqu'un a sa propre famille, il n'est plus un enfant. Moi, voici, j'ai 5 enfants à la maison. Pas même me dire que je suis un enfant. Non, non. Peut-être qu'on peut causer toi et moi. Tu m'appelles, oui, petit frère, vraiment. Tout. Oui, mais pas en public. Faites attention, arrêtez ça. Que nous sommes les Africains. Oui, nous sommes les Africains, mais on n'avance pas. Nous sommes Africains, oui. Mais évoluons, respectons les gens. Tu peux t'hasarder à appeler Macron que garçon. Tu peux. Hein? Est-ce que tu peux? Vous êtes dans votre propre famille, on voit comment vous saluez vos petits frères qui ont réussi avec deux mains. Mais vous êtes incapable d'appeler les autres. Vous êtes incapable de respecter les autres même qui ont su réussir, qui sont les chefs de famille dans leur propre famille. Vous venez les dénigrer. Moi, je vous dis, quand quelqu'un t'appelle petit en public, il te dénigre. Voilà, et ça dépend dans quel contexte. Il te dénigre. Moi, c'est pourquoi moi, j'ai beaucoup de petits là. C'est rare de les appeler petits frères. En public surtout. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà un moment très crucial pour votre soeur. Lady Ponce. Mais voilà un moment crucial pour elle qui va passer à l'Olympia. Au lieu de soutenir votre frère, hein, dit que bon, le lien, ça se lave en famille. Cachez cette histoire. Hein, la soutenir. Pour que les choses marchent bien. Ou bien tu n'es pas obligé de la soutenir. Pourquoi c'est le moment qu'il faut profiter pour commencer le buzz, les clashs? Ça veut dire qu'il y a Anguille sur Roche. Vassereux dans son rôle. C'est un artiste engagé. Il te pousse à l'erreur. C'est clair, il joue son rôle. Vassereux ne peut que jouer son rôle. Il est artiste engagé. Il te pousse à faire les erreurs. C'est clair. Il te pousse à bout. Son rôle, c'est de te pousser à bout. C'est la politique. Tom, tu es là pour pousser Paul Biya à bout. Parce que s'il ne poussait pas Paul Biya à bout, s'il ne partait pas en prison, on n'aurait jamais su que, écrit que le Cameroun c'est une dictature, qu'on met les opposants en prison. La vie c'est ça. Vassereux dans son rôle. Vous tombez dans son piège, tant pis pour vous. Il est dans son rôle. Il vous dit même que c'est un artiste engagé. Il profite du MSC. Mais attendez, mais il a. Attendez. Donc ça veut dire artiste engagé veut dire un artiste politicien. Il est dans son rôle. Quitte à toi maintenant de venir répondre politiquement, sans tomber dans le piège. Tu as vu qu'en voulant contester, répondre à Vassero, tu te retrouves dans les problèmes, en train d'avoir les problèmes avec ta petite soeur, Lady Ponce, en train de citer les noms, les contemporains, alors que lui, il est dans son rôle. C'est ça un politicien. C'est ça un homme engagé. Oui, c'est ça un politicien. C'est comme moi, il y a des choses que je vois de bien là. Je ferme mes yeux, je dis le contraire. L'art de manipuler la parole. Quitte à toi de bien répondre. Quitte à toi de bien répondre, ma chérie. Et quand tu sens que tu ne peux pas, ne parle même pas. Parce que tu peux vouloir parler là, tu gâtes tout. Comme là maintenant, tu appelles le nom d'un innocent. Un garçon qui n'est pas dans vos histoires. Pourquoi? Pourquoi tu l'affiches? Pourquoi tu affiches Dynastie Lotige? Ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Mais oui, ce n'est pas bien. Voilà aujourd'hui le frère, le mari, l'ex-mari de Lady Ponce. C'est toujours ça. Peut-être c'est tout son mari, même s'il y a séparation du corps, il y a un document qui le lit. Hein, le Dieu cyclone. Le voilà aujourd'hui, on a pris son passeport depuis un mois. Qui l'a affiché? À l'époque, c'est Baolan. C'est Baolan qui l'avait affiché. Faites attention quand vous faites certains témoignages. C'est Baolan qui l'avait affiché. Comme ça, vous affichez les gens, demain ils sont dans les problèmes. Mais oui, il y a une manière de parler. On le prend pour le téléphone en public. Non, c'est pas tout le monde qui parle en public, ma chérie. Non, pas tout le monde. On a vu beaucoup de personnes là, ils disent qu'ils sont doctorants, ils ont le doctorat, ils sont députés. Cabra Libye, on a vu comment Facebook l'a fait commettre les bêtises, les erreurs. Les réseaux sociaux, c'est la magie. La communication, c'est la magie. Voilà Foster. Voilà Noura, même c'est Fautine. Elle-même, elle a joué son film, personne n'était au courant. Elle est partie chercher une grosse chaîne de télévision qui est venue faire des choses à sa faveur, mais ça a tourné mal contre elle. Oui. Il y a l'expertise, il y a la contre-expertise. Ce n'est pas des chaînes Mbrakata qu'on a au Cameroun qui disent que bon, faites seulement comme ça là. N'allez pas. Parce qu'eux aussi protègent l'image. En allant chez les experts, dit que bon, le collagène là, c'est quoi? L'expert aussi dit que non. La documentation n'est pas une bonne chose. Kalas. Fini, c'est fini. Comme disent les Arabes, kalas. Ah oui. Tu croyais que c'était les chaînes du Cameroun qu'on avait dit que bon, viens seulement parler que le collagène c'est un bon truc, on fait les témoignages, on s'arrête là. Terminé. Ça, c'est les chaînes occidentales.
Oui. Ils font tout. Ils font, c'est-à-dire, ils font la promotion, ils font la contre-expertise pour se protéger au cas où il y a un éventuel problème. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a les experts. Faites-vous accompagner. Te voilà, tu peux attaquer Valsero sans citer le nom de quelqu'un d'autre. Regardez, il te ridiculise, il t'a répondu. Non, tu as le réseau à la présidence. Pourquoi vous voulez vous faire voir? Faites votre atalakou ou Amoku Belinga. Nous, tous, on connaît, mais faites votre atalakou. Vassero fait son atalakou, comme vous dites au peuple et au MRC. Il vit de ça. Où est le problème? Où est le problème? Faites votre atalakou sans détruire le vôtre, les vôtres. Vous pouvez le faire. Mais oui, il y a des gens qui me font des choses. Je n'appelle jamais les noms. Mais oui, il y a des gens qui me font des choses. Ils me disent, Banga, parle. Dis que c'est moi qui ai donné. Je dis que c'est toi, tel qui a donné. Il y a un qui me dit que Mbanga ne dit pas. Hein. Ne dis pas que c'est moi. Je ne dis rien. Mais oui, je ne dis rien. Pourquoi? C'est quoi? C'est la méchanceté. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les Camerounais? Pourquoi vous êtes méchants? Eh mon ami, tu as tout répondu, à beaucoup de respect. Il faut laisser ça. Une maman Ekan. Non, non, pas de la République. Ce n'est pas une maman Ekan. Elle veut ta tête. C'est la jalousie. Vous voyez, elle parle de ta vie. Elle parle de tes maisons. Vous voyez la méchanceté. Donc, il ne doit pas construire. Comme vous avez mal géré vos vies, peut-être. Hein? Je vais te dire, toi, Chantal, ici, tu es une femme. Moi, je n'ai rien contre vous. Mais disons-nous la vérité. Vous-même, là, vous êtes très mal éduqué, mal élevé. C'est toi qui es venu ici à Mondo Vision, dis comment ton frère, c'est une femme. Moi, j'ai commencé à ne plus t'aimer. Vous savez, nous sommes sur la table, nous sommes tous les Camerounais. C'est un inconnu qui doit venir dire que ton frère, là, le gars que vous voyez là, c'est une femme. Mais ce n'est pas toi à venir dénigrer, quelle que soit la fâcherie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on peut dire parce qu'on veut protéger son frère ou bien sa soeur. Mais oui, c'est comme tout récemment, il y a quelqu'un qui dit qu'il va épouser ma soeur. Bon, la personne là, je connais la personne. La personne, c'est quelqu'un que toutes ces cinq femmes qu'il a épousées sont là mort. J'ai dit à ma soeur que tant que tu ne quittes pas là-bas, sache que il va apporter ça en public. Mais par la grâce de Dieu, les choses sont passées comme je voulais. Hein? Il n'y a pas eu la continuité. Ça veut dire, j'ai sauvé ma soeur. Au moins, si elle est là, je la vois vivante. Que de partir mourir. Mais si à Mondovision, tu as amené l'histoire de ton frère, que ce soit vrai ou pas, à partir de là, on peut connaître qui tu es, quelle est ta moralité. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que, quel que soit ce qu'ils vous font, on ne les répond jamais. Ou bien même si tu les réponds. Que la réponse soit positive. Ben, ce qui a prouvé qu'après, tu es revenu au Cameroun, vous êtes réconcilié. Mais alors, mais ce que tu as dit alors, est-ce que lui, il n'est pas allé loin, alors que toi, on dit que ton père, c'est un Bamileke? Est-ce que lui, il a un jour dit que ton père est Bamileke? Il n'a jamais dit ça. C'est ça, on dit un grand, la grandeur. Donc, ma chérie, tu es mal placé pour venir donner la leçon de vie aux gens. Vous savez? Il n'y a rien de beau quand quelqu'un se fait rare. Alors que le jour qu'il parle, c'est beau à voir, c'est beau à écouter. Mais vous-même, vous n'êtes pas des exemples partis donner la leçon de vie aux gens. Voilà. Tu dis que la présidente t'appartient. La présidence, c'est pour tout le monde. Au Cameroun, là, il y a des gens qui ont les relations à la présidente que vous ne pouvez jamais imaginer. Et qui sont dans l'ombre. Qui sont dans l'ombre. Tous ceux qui gesticulent là. Tu perds ta crédibilité. Et les Camerounais ne sont plus dupes. On connaît, quand vous avez des problèmes d'argent, quand vous voulez faire la talakou pour manger, il faut sacrifier les autres. Non, on peut faire la talakou sans sacrifier les uns et les autres. Oui. On peut faire la talakou sans sacrifier les uns et les autres. Est-ce que tu pars, tu mens, tu essuies ta bouche, tu sors, sans dénigrer l'enfant d'autrui. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Que chacun joue son rôle. Si vous voulez être blogueur, activiste, mais formez-vous. Ça ne doit pas sortir comme ça sort. Ayez pitié de vos cadets. Dynastie, est-ce qu'un jour tu l'as aidé? Est-ce que tu l'as aidé un jour, toi, Chantal, ici? Tu as aidé? Tu l'as aidé? Tu ne l'as pas aidé? Et c'est un Camerounais, il est libre de rencontrer qui il veut, comme il veut. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Vous faites comme si. Il y a beaucoup là, les membres du gouvernement, là. Oui. Que pendant que vous dénigrez certaines tribus, les femmes à la maison sont de la tribu, là. Les enfants sont de la tribu, là. Eux-mêmes, ils ne se prononcent jamais. Jamais. J'ai la première fille de l'un des plus durs caciques du régime, là. Elle est mariée ici, là.
l'une des premières filles du cacique de ce régime-là. Elle est mariée ici, là. Il y a une maison à côté de moi, là. Quand vous passez, il y a beaucoup d'insécurité là-bas avec les gros bras Africa Security, avec les commandos. Elle est mariée, là. Mais oui. Et son mari, c'est la tribu que vous insultez chaque jour. Donc, pendant que vous faites le sale boulot dehors, hein, qu'est-ce qu'on fait? On se moque de vous. On vous donne les miettes. Alors, les Camerounais doivent apprendre à être intelligents. Comme moi, là. Je peux marcher les affaires de tribu. Je vais faire comment mes enfants? C'est malade. Donc, ma femme qui est à la maison, elle fait comment? D'abord, je n'ai jamais connu une fille de ma tribu. Hein. Ah oui, oui, je n'ai jamais connu. Non, pas du Cameroun et tout, en fait, d'entrer de parler des affaires de division, de tribu, parce que telle a rencontré telle. Il faut arrêter ça. Ou bien de parti. Ou vous vous mettez dans les problèmes. La politique est très compliquée. Hein. On ne dit pas n'importe quoi. Hein. Il y a même tes fans qui t'aimaient bien là. Tu vas voir maintenant MRC. Tu crois que tu veux jouer le va-tout? Non, je vais tout gâter. Je vais donner mon énergie. Mon ami, tous ceux qui donnent toute leur énergie au diable ne récoltent jamais rien. Avec le diable, fais semblant. Il va bien négocier avec toi. Mais quand tu viens donner toute ton énergie au diable, en croyant qu'il va te récompenser, en ce moment, il va te donner ce que tu ne t'attendais même jamais. Il ne peut jamais te donner ce que tu attendais. Jamais. Alors, si tu voulais 10 millions, non, il va te donner 100 000. Parce qu'il t'a dépossédé. Il t'a dépossédé. Venez vous asseoir. Même les fans qui étaient du MS, qui sont tes fans là, vous allez voir qu'il y aura changement. Vous ne voyez plus depuis un moment. Il y a une là qui était sur la toile, que quand elle voulait parler, elle faisait ses histoires de comédie là, sur la toile. Elle expliquait les histoires. Mais le jour qu'elle a déconné, aujourd'hui elle est devenue l'ombre d'elle-même. L'ombre d'elle-même. Aujourd'hui je la vois, elle fait les vidéos. Mais attendez, à peine elle a 1000 vues. La comédie, parce qu'elle n'est même pas comme nous. Parce que nous là, je m'en fous que je l'ai vu ou pas. Je passe mon message, c'est que ce qu'on va prendre, hein, on va prendre, on va partager comme d'habitude dans les chaînes YouTube ou les autres pages vont prendre, ils vont partager. C'est que ce que, quand je fais ma vidéo, c'est que ce qui pleuve, qui neige, je me retrouve à plus de 10 000 vues, 20 000 vues, 20 000 vues, et dans les interactifs, ça monte à 50 000. Parce qu'il y a beaucoup là, les hypocrites qui viennent voir par la fenêtre. Aujourd'hui, mais par rapport à celle-là qui était comédienne, qui faisait même les publicités de marque, tout ça, aujourd'hui, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Faites attention. On ne s'engage pas derrière le démon n'importe comment. On ne s'engage pas derrière le démon. Voilà. Tous ceux qui mangent derrière le démon, souvent, viennent d'ailleurs, l'ont combattu hier. Le démon ne caresse, le démon ne récompense jamais ceux-là qui ne l'ont jamais combattu. Jean de Dieu Momo, c'était un opposant à Paul Bien. On l'a donné sa part. Regardez bien. Tous ceux qui ont combattu le démon finit par les récompenser. Tu as deux choix. Il te récompense, soit il fait tout pour t'abattre, ou soit il fait tout pour te museler. Comme Maurice Kamtoé là, s'il veut sa part, on lui donne. On va lui donner en gros. À ce moment-là, il dit qu'enfin, vous allez voir qu'ils vont venir à côté. Ils vont essayer de vouloir corrompre tous les à côté de Maurice Kamto. Mais ils vont pouvoir, mais jamais pas Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto coûte trop cher. Et c'est un risque. Les Belobuma Magari étaient les opposants à Paul Biya hier. Regardez, ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Vous faites la talakou d'un système qui ne peut rien vous donner. Et même quand ils vous donnent, c'est insuffisant. Moi là, je ne peux pas partir m'allier à quelqu'un qu'on passe la journée à dénigrer, à quelqu'un qui n'a plus de crédibilité. Pour rien, comme vous vous faites là. Pour rien. Et en ce moment-là, ils ont les avancements de poste. On les donne toutes les voitures du monde. On les donne tous les avantages de ce monde. Ils mangent bien. Mais malgré tout, ils ont la maîtrise sur la toile. Ils ont la maîtrise dans les plateaux de télévision. Mais vous, quelques artistes avec peu de talent même, c'est vous qui venez là. Attendez. Faites attention. D'abord, ils ne sont jamais reconnaissants, ces gens-là du système. Mais oui, ils ne sont jamais reconnaissants. Regardez bien la chaîne la plus suivie du Cameroun. C'est quoi? C'est Equinox. Equinox qui ne les caresse pas, mais ils sont là à suivre. C'est comme ça dans la vie. On est plus focalisé sur son contestataire que celui qui fait son atalakou. Vous êtes surpris, non? C'est comme ça la vie.
Dans la vie, on a toujours été plus focalisé sur son ennemi ou bien sur celui qui le conteste de plus. La vie, c'est comme ça. Vous pouvez faire vos attaques, on n'est pas au courant de vous. On n'est pas au courant de vous. Mais oui, on n'est pas au courant de vous, mes chers frères et sœurs. Faites attention. Vous jouez un rôle très dangereux. Alors que vous êtes là, au lieu d'être dans la partialité, au lieu d'être dans la neutralité, connaître parler. Ce n'est pas tout le monde qui prend au téléphone qui parle. Soit on se forme, soit on est avec, soit c'est un don de Dieu, c'est-à-dire on est né avec. Ce n'est pas tout le monde qui prend son téléphone. Ah, on a vu Cabral Libye ici, non? Facebook, les réseaux sociaux. On se forme pour ça. Tu lis les commentaires. Eh, mais président, tu as pris du poids. Hein? Bah, tu déconnes. Oui, vraiment, pour dire vrai, avant les élections, après les élections, vraiment, j'ai pris 10 kilos de plus. Il faut dire vrai que la politique m'a aidé. C'est ce qu'il a dit à Mondo Vision. C'est ce qu'il a dit à Mondo Vision. Des choses qu'on ne dit pas. C'est des choses codées. Même si on sait que c'est ça. Même si on sait que c'est parce que tu es devenu politicien que tu as pris le poids. Jamais de la vie. Lieb Limal. Monsieur Cabral, c'est comment Monsieur Lieb Limal? Vraiment, c'est un monsieur que l'État doit vraiment. Oh. C'est des choses qu'on ne dit jamais en public. Pop, on ferme sa bouche. Parce que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu ne connais pas l'intention de ce monsieur-là. Ah oui, oui, oui. Tu ne connais pas. J'ai les fans parfois qui viennent l'embanga, vraiment, je te gâte telle chose. Ou un gars te gâte. Un gars. J'observe, je te regarde. Un matin, tu veux voir, peut-être 2 mois plus tard. Eh, Mbanga, tu vois la même personne là surgir. Il t'a donné les choses de valeur qui coûtent très cher, même l'argent parfois. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu dois avoir la maîtrise en soi. Parce que parfois le démon est celui qui prémédite plus. Le démon est celui qui prémédite. Il négocie à la base avec toi. Et pour celui qui n'a pas suivi Cross River, il fallait suivre le film Cross River. C'est Johnny Depp, c'est lui, un acteur, voilà. C'est quoi, c'est Johnny Depp? Comment il veut que son père guérisse? Il passe signer le contrat, le diable. Le diable dit qu'il veut te donner, il veut soigner ton père qui fait les cascades avec les motards. Comme ça, quand le matin, il passe signer le contrat. En voulant signer son sang, il se blesse, son sang se verse sur le papier. C'est un film très instructif. Comment vous voyez comment le diable est très malin? Le diable fait son père gagne encore 3 victoires. Il guérit, dit mon fils, je me sens bien, le cancer a disparu. Oh, quatrième course, pop, fait l'accident, il meurt. Quand il se plaint, le diable dit que mais il a guéri, non? Il a guéri. Mais quand cela ne tienne, j'ai une mission pour toi, mais dans 20 ans. L'enfant grandit, il voit comment dans la nuit devient le feu, sa moto devient le feu, que va combattre. Le diable n'est jamais pressé. Méfie-toi dans la vie quand parfois tu deviens une personne publique, ou bien même dans la vie normale, quelqu'un vient là, il te donne certaines choses. Méfie-toi. Attends-toi à ça. Attends-toi. Ils sont nombreux là parfois, là, qui viennent. Banga diaspora, vraiment. Ouais, mais demain matin, tu vas voir, ils te proposent quelque chose. Non, mon frère, il te dit non, je ne peux pas. L'argent ne change pas mes convictions. Voilà. Ce que je dis, ce que je fais, derrière, il y a des gens qui m'aident pour cela. Mais jamais de la vie, parce que tu m'as donné quelque chose, de dire le contraire. On dit, c'est les œuvres de l'esprit. Même parler, c'est un art. Parler, c'est un art. C'est les œuvres de l'esprit. Ne blague pas avec. Il y a des sujets que parfois, même mes meilleurs amis, même ceux qui sont proches de moi, disent que mais tu ne vois pas telle chose. Je ne me prononce pas sur ça. Je ne me prononce pas même après un mois. Fais attention. Parce que ce que tu dis là peut se retourner contre toi. Et quand tu es quelqu'un de public, méfie-toi que n'importe quoi sorte de ta bouche. Ce n'est pas une affaire de bien parler français. C'est qu'il faut être cohérent dans ce que tu dis. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous pouvez partager le direct, ma part est restreinte. Donc, les gens comme les Chantal là, ici, voilà comment les gens qui ont la sympathie pour vous, vous les perdez. Un artiste, ce n'est pas ça. Faites attention. C'est que vous ne connaissez même pas, prends les exemples ailleurs. Un artiste, ce n'est pas ça. On ne dit pas qu'il n'y a pas les artistes qui supportent le gouvernement. Mais, pour y aller, il faut bien connaître, manier la parole. On ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Et on se rend compte au Cameroun que, au fait, c'est de votre faute. Hein. Moi, je vous dis ça. Nos frères de la diaspora qui sont partout, plusieurs artistes, les gens qui pouvaient parler ne parlent pas, chacun a peur. Mon frère, il n'y a pas plus méchant que celui qui a dit et qui ne dit rien.
Moi, j'ai toujours dit ça. Quand les gens m'écrivent, Mbara Diaspora, je t'aime bien, vraiment, j'ai fait l'université en Allemagne, je suis docteur en Italie, je suis ici là, aux États-Unis, vraiment ici là. Tu m'expliques quoi? Va parler ça en public. On va mieux t'écouter. Tu t'expliques mieux que moi, peut-être en français. Mais oui. Tu as quelque chose que tu as appris pendant des années. Voilà un docteur qui est en train de vouloir être lynché parce qu'il a dit que le beignet bouilli, c'est toxique. Peut-être haricot. Peut-être le haricot, peut-être c'est l'huile qu'on utilise. Mais oui, mais il dit, mais vous voyez comment on est en train de. Mais vous êtes où? La nouvelle génération a les diplômes là. Vous êtes diplômés. Vous priez que les choses n'avancent pas. Mais vous-même là, vous êtes responsable aussi de notre pays qui n'avance pas. Là, je connais beaucoup qui m'écrivent. Quand tu vois le CV du gars, tu vois ce que le gars fait en Europe. Mais il ne parle pas. Il veut que le Cameroun change. Tu vas changer comment? Tu vas changer comment quand tu es dans l'ombre? Tu vas changer comment quand tu viens tout me dire que ouais, Mbanga, vraiment patience, c'est pour ton pied qu'on allait t'appeler. Vraiment, je t'envoie telle chose. Mais il faut t'engager. Quand nous sommes nombreux face à la prison, on est obligé de libérer la prison en libérant certains. C'est clair. De peur qu'il y ait évasion. Mais oui, de peur qu'il y ait l'évasion. C'est clair. Quand on sent que la prison, s'il y a beaucoup de gens dedans, on est obligé de libérer. Mais c'est clair. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Vous voulez que le Cameroun change comment? Même au Cameroun, il y a les artistes qui ont été à l'école. Mais oui, mais ça ne va pas dans notre pays. Donc, ma soeur Chantal, ici, arrête la sorcellerie là. Quand l'inspiration, quand on est en repos, ça ne veut pas dire que l'inspiration est finie. Je ne veux pas dire que l'inspiration est finie, non. Je ne peux pas dire ça. Et la courtoisie, les gens qu'on côtoie notre environnement. Depuis que tu as commencé à côtoyer les blogueurs, on ne dit pas de ne pas côtoyer les blogueurs. Mais dans la ville, on peut aller dans le tas. On choisit les bonnes personnes. On n'a pas besoin de se prononcer. Vous êtes ici sur la toile, vous connaissez quelqu'un que je fréquente. Est-ce que vous m'avez vu me lever, parler de n'importe quoi, quand il fait n'importe quoi? Mais non. Mais non. Je suis dans mon coin. Mais oui. Parce que tu dis là, ça n'engage que toi. C'est clair. Peut-être on peut parler en coulisses que, gars, voilà ce que tu as fait, c'est pas normal, c'est pas bien. Tant pis, chacun son monde, nous sommes tous les adultes. Tu ne peux pas venir changer la mentalité de quelqu'un, comme moi. Il y a des gens qui me convainquent, non, Banga, ne parle plus. Vraiment, reste calme dans ton coin. Vends ton jus de canne. Je lui demande si le Cameroun, si c'est pour les autres. Au moins, moi, je vends mon jus de canne. Il y a des gens qui viennent de nulle part. Mais qui sont dans certaines places. Moins instruits que moi. Voilà, j'ai vu une liste de la famille de Kava Yege Dibri. Avec les faux diplômes. Les gens qui sont les adjudants, les capitaines, les inspecteurs des impôts. Avec les faux diplômes. Donc, c'est moi qui ne parle pas. Ils sont plus Camerounais que moi ou pas. J'ai dit, tout ce qui concerne le Cameroun, chacun a le droit de s'exprimer pour le Cameroun. Chacun a le droit de critiquer un membre du gouvernement parce qu'il gère, la chose publique. C'est le droit de chaque Camerounais. Maintenant, venir s'asseoir pour certains débats, il faut apprendre à bien parler. C'est très important, Chantal, ici. Ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Comment dire, comment il a enchanté au Cameroun, il a été conçu la maison. Mais non, ça n'a pas sa place. Tant pis pour toi si tu n'as pas de maison. C'est la nouvelle génération. C'est une bonne chose. Qu'un artiste ait sa part de maison, c'est bien. Voilà toute ta génération, là, beaucoup n'ont pas de maison. Ils vivent dans la gloire et meurent dans la misère. Ils finissent tous dans la mendicité. La nouvelle génération, je les respecte mieux. Pourquoi? Même quand tu vois là, ils louent aujourd'hui, tu sens qu'eux, ils rêvent. Les Mister Léo, les Daphné, ils ont moins que... Quand tu les vois quand même là, ils louent, tu sens que c'est quand même bien. Par rapport à vous. Nous, on a vécu en Banga là-bas, avec les grands artistes. Là, ils vivaient là, ce n'était pas normal. Vous voyez, on te parle d'un grand artiste. Moi, je suis né grandi en Banga, je connais de quoi il parle. L'un des plus grands artistes du Cameroun. À son temps, là, il vivait, ce n'était pas digne de lui. L'autre est mort récemment. Là, il vivait, ce n'était pas digne de lui. Nous tous, on connaît. Et c'est normal, ça. Donc, c'est mieux parfois, là, à un moment de la vie, là, il faut lâcher les baskets à ceux qui ne sont pas de ta génération. À un moment de la vie, là, va parler à ceux qui sont de ta génération. Qu'est-ce qu'il y a de fouillé dans la vie de ceux qui ne sont pas de votre génération? On connaît sur la toile ici, là. On a vu DJ Yango sur la toile. Est-ce qu'un jour, il a répondu à l'autre? À son ancien fiole, à celui qui l'avait produit? Jamais. DJ Yango,
ne répond pas. Il n'y a que ceux-là qui veulent fermer le chemin aux petits frères qui répondent. Quelqu'un qui sait que je sais où je vais, je sais où je sors, nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas les égaux, ne te réponds jamais. Chantal ici, tu réponds parce que tu sais, tu crois que ton inspiration est finie. On a vu le DJ Yango ici là. Hein? On a vu le DJ Yango ici là. On les a insultés, on les a clashés. Jamais il a répondu. Voilà Baolang qui est sorti l'autre jour. Que mais tu donnes ta fille à qui? Même Dédé Yango, je m'en suis calculé, il ne répond pas. Parce qu'il sait où il sort. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il a fait pour le Cameroun. Pourquoi parler? C'est comme moi là. Il y a des gens que si tu me clashes tant, je ne te réponds pas. Mais oui. Et il y a l'ex-femme du grand artiste de Mbanga à l'époque qui avait voulu commencer un clash avec moi dans le bizarrerie. Même là où, dans l'un des directs d'un blogueur sur la toile, elle est partie faire un témoignage, c'était sa voix. Quand il m'a appelé, il dit que mon frère, laisse celle-là, je la connais. Laisse. Il y a des choses qu'on ne répond pas. Il y a des gens qui veulent se faire un nom, qui n'ont pas profité du fait qu'ils étaient à côté des légendes. Mais le fait qu'avant la mort de la légende, il y a eu séparation, et le fait que je cause avec celle qui profite de la légende parce qu'elle était là au moment difficile, le macabre de ça. Maintenant, c'est normal qu'on va me saboter ailleurs, c'est clair. Il va répondre pourquoi? Il n'a jamais répondu. Donc, il faut apprendre à avoir la maîtrise, mes frères et sœurs. Quand tu sais où tu viens, quand tu sais ta génération, tu ne réponds pas à certaines choses. C'est clair. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, nous allons faire la transition. Nous allons parler de dynastie Loti. Partage le direct de la famille. Partage le direct. Non, elle peut toujours travailler. Elle peut toujours travailler. Voilà, elle peut toujours travailler. Elle a chanté, ça ne fait pas un an, non? Elle a chanté le Cameroun, non? Elle peut toujours chanter. C'est que les gens oublient que parfois, il faut se reposer. C'est pas parce que Daphné ne chante plus qu'elle n'a plus l'inspiration. On se repose. Si pendant le moment de repos, Daphné nous présente son mari, si pendant le moment de repos, Daphné nous présente son enfant, mais gloire à Dieu, il faut dire Hamdoulilah. Disons Hamdoulilah. Ça veut dire qu'elle n'a pas perdu. Les Rihanna ne chantent plus. Aujourd'hui, elle a son enfant. Mais où est le problème? On ne peut pas tout avoir au même moment. Il faut que les gens comprennent ça. À un certain moment de la vie, le plus dur, c'est d'avoir écrit ton nom dans ce que tu fais, de bien faire. À un moment, tu t'égares. Comme là, j'ai mes projets qui me prennent trop de temps. Pourquoi vous voyez ici un peu bientôt, je serai bientôt rare. Sauf si vous décidez de voter un budget pour moi. Hein? Que tous les mois, Mbanga, voilà. Vraiment, fais même 3 directs par semaine. Parce que vraiment, tes directs m'instruisent. Tu dis que bon, voilà un budget, je vais te donner ça tous les mois. Si je sens que j'ai mes intérêts derrière, je vais continuer à faire le direct. Mais si je sens que je n'ai pas d'intérêt, je pars où? J'arrête, je change de temps. Donc, avant de continuer le direct de Barcero, de Dynastie le Tigre, ok, avant de parler de Dynastie le Tigre, ce que je vais parler de Dynastie le Tigre là, vraiment, si vous ne partagez pas, vous n'achetez pas mes marchandises, ça veut dire que vous êtes méchant. Parce que toi-même, ça va t'aider dans ta propre vie. Et maintenant, je vais parler de Dynastie le Tigre. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, Dynastie le Tigre est sans papier. Mais oui, parce que sûr, quand on voyage, on prend toujours un court séjour. Et comme il a dit, c'est une maison de production. Ou bien Dolpero, mais c'est quoi là, qu'il a fait venir en France, comme d'habitude. C'est la 4e fois qu'il part en France. Donc ça veut dire que Dynastie le Tigre est sans papier. Encore. Mais c'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est sans papier en France. À quelque chose, malheur bien. Voilà tous les pièges. Voilà tous les pièges que nos jeunes frères partent entre les gens. Voilà tous les pièges que nos jeunes frères
Non, il faut qu'on parle. C'est très important. C'est pas le plus important. Je vais décrypter. Non, c'est même pas le plus important. Qu'il ait les papiers ou pas. On n'est pas héros dans deux endroits à la fois. Là, tu comprends, dans la vie là, on ne peut pas être héros dans deux endroits à la fois. Donc je vais m'expliquer. Ce que je dis là, c'est très pertinent. Pas quand c'est trop célèbre. On a connu les Jackie King, les Fingons, et plusieurs autres personnes, comédiens, artistes. Quand ils ont la gloire au Cameroun, ils portent les sacs, ils vont en Europe. On connaît la suite. C'est ici que tout a commencé. Quand tu vas là-bas, que tu aies les papiers ou pas, c'est une grande perte. Donc avant de continuer le direct, parce que je vais décrypter, parce qu'elle dit là, c'est très important. Donc on vend les produits d'abord. Donc pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà le produit, on appelle ça Lili Slim. On a le stock en France. Si tu veux perdre du poids, voilà, tu prends les trois boîtes là. Les trois boîtes c'est pour 20 kilos. Si tu as pris plus de 20 kilos, 30 kilos, tu vas prendre 6 boîtes. On appelle ça Lili Slim. Lili Slim, c'est un best-seller. Voilà. Il y a le stock en France. Voilà. Si tu veux perdre du poids, 3 boîtes c'est pour 20 kilos. 6 boîtes c'est pour 40 kilos. 9 boîtes c'est pour 60 kilos. Voilà. Si tu souffres des problèmes de. Si tu as des problèmes d'éjaculation précoce, c'est-à-dire tu montes sur la femme, après 15 minutes, 10 minutes, tu jus. Alors un truc qui est bien pour toi. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Voilà. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Mais il faut être fort pour finir les 6 sachets en un mois. Il faut être très fort. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est que Super Love, c'est un bon produit parce que tu n'avales pas, c'est pas buvable. C'est les tissus. Tu mets seulement sur le bout de ton zizi. Ça sèche pendant 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies ton bout de zizi avant de passer à l'acte. Un très bon produit. Voilà. C'est très bien. Ça n'a pas d'effet secondaire. Même l'iris sulim n'a pas d'effet secondaire. Tu bois. Voilà. Tu bois ça là. Ça te nettoie le ventre. Et puis tu avais le temps, tu vas perdre du poids. Pas d'effet secondaire. Voilà. Même chose comme ceci, cela. Comme ceci. Dans mon numéro WhatsApp, pour tous ceux qui ont besoin, il y a aussi le stock, ceci là. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis. Voilà. Ceci seulement. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis. Mais je pense que le stock de la Belgique, bientôt, c'est en train de finir. Donc, je vais ravitailler ça d'ici la semaine prochaine. Donc, voilà. Si tu as besoin de tous ces produits, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. Mon numéro est là, sur l'écran. 6 83 40 97 55. Partez le direct, hein, le temps que je finis la pub, pour qu'on tombe sur le frère Dynastie. Il faut que je le conseille. Je dois le conseiller. Voilà, je dois parler. Voilà, ça va aussi t'aider dans ta propre vie. Comme je dis, un adage dit ceci. On n'est pas héros dans deux endroits à la fois. Si tu es héros ici, et que tu te décides d'aller ailleurs, tu blagues là-bas, soit là-bas va t'avaler et prendre tout. Te déposséder de tout de ton énergie. Très important. C'est pas pour rien que même le sorcier ne bouge pas facilement de son terroir. Regardez bien le sorcier. Il ne bouge pas facilement. Il est toujours là, dans son coin. Le même père qu'on accuse le sorcier là, tu pars, tu le trouves dans sa même maison, dans le même endroit. Il ne bouge pas. Donc c'est aussi ça les œuvres de l'esprit. Même le bien réagit de même. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. C'est un best-seller. Voilà, et on a ici Digital Serve. On a le stock aussi en France. Digital Serve. C'est pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Comment on monte ça? C'est très facile. Tu trouves une prise dans la maison, tu branches, terminé. Et si ça veut que tu veux nettoyer le coin où tu as branché, tu soulèves. Et s'il faut débrancher, quand tu débranches, n'éteins jamais, ne touche pas la fiche sans que la lumière s'éteigne. Parce que quand tu branches, ça garde l'énergie, ça refroidit le câble, ça transforme ça en énergie. Et si tu débranches et tu touches sans que la lumière s'éteigne, c'est quand la lumière s'éteigne que tu peux toucher la tête. Parce que ça a lâché l'énergie. Et ça prend le temps, ça dure pour que ça lâche. Il faut beaucoup faire attention. Donc, je m'adresse à certaines personnes, parce qu'il y a quelqu'un là qui m'a dit qu'il a acheté récemment, ça l'a fait, voilà, c'est ça. Quand on achète, je t'avais dit que quand tu achètes,
quand tu débranches, ne touche jamais la fissure là. Si la lumière rouge n'est pas éteinte, s'il te plaît. Donc on a le stock aussi en France. On a le stock au Cameroun. Dans deux pays seulement. On appelle ça le digital server. C'est pour réduire la consommation de lumière. Ça te réduit 40% de ta consommation. C'est-à-dire, si ta quittance vient 100 000, tu vas commencer à payer 60 000 dorénavant. Ça réduit 40%. On appelle ça digital server. C'est un appareil allemande. C'est sous licence allemande, mais conçu à Singapour. On appelle ça digital server. Voilà, mon fournisseur est à Singapour. Voilà. Voilà le produit pour la goutte, pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol, tu as de la peine à fermer ta main. Vraiment, c'est la goutte. Va faire le test de la goutte. Voilà. On appelle ça en bas en langue malais. La langue malais, c'est la langue qu'on parle à Singapour, Indonésie, Malaisie, Brunei. Voilà, on appelle ça la langue malais. Voilà. On appelle ça Assam Orak. En langue indonésienne, on appelle ça Assam Orak, en langue malais. Voilà, si tu souffres de Assam Orak, qui est la goutte, voilà, et en français scientifique, la sidérurique, voilà le produit, je te demande de prendre ces produits-là. On a aussi ça en France, on a le stock en France. Voilà. Donc, tu m'appelles au 6 83 40 97 55, soit à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244. 98, je te passe les contacts de mes partenaires qui se trouvent dans les différents pays. Donc voilà. On a le produit pour la calvitie. Pour ceux qui souffrent de la calvitie, voilà le produit. Et les chutes de cheveux, les barbes. Voilà, pour ceux qui disent que Banga, tu parles comme ça, est-ce que toi, tu as la barbe? Voilà, voilà, quand je me rase pas, regardez. Là, c'est une semaine seulement. Voilà, voilà. C'est pour ceux qui ont les mauvaises barbes, là. Et grain, 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 grain. Donc, ça va bien te faire sortir les barbes ordonnées. Voilà. Et je ne dis pas les calvicies qui sont là, qui ont déjà apparu, c'est là comme le ciment. Non. Quand c'est en voie d'apparition, tu peux le combattre en utilisant ce produit-ci-là. C'est pour la calvitie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous conseille. Donc, mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voici un appareil pour nettoyer ses oreilles. Tu branches sur ton téléphone. Directement, ça déclenche à l'écran. Tu vois l'intérieur de ton oreille, ta gorge, ton nez, your shoul, your totsep, everywhere, where you want. Ton aisselle, voilà, tu peux voir ce qui est là-bas. Et ça, on accroche, tu accroches et tu enlèves. Voilà. C'est très bien. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et mon MTN aussi, ça répond aussi à WhatsApp au plus au 6 83 40 97 55. Voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, revenons à nos moutons. Pour ceux qui veulent le terrain, il y a tout est là sur l'écran. Si tu veux le terrain, voilà, à Lorbessou, derrière Bokom Yassa, voilà, tu es la bienvenue. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, nous allons parler du cas de notre frère. Voilà. Nous allons parler de notre frère Dynasty Loti. Dynasty Loti, tu sais, mon cher frère, comme j'ai dit, je n'aime pas appeler les gens petits frères. Parce qu'un grand n'est plus petit. Quand tu fais les choses des grands, tu n'es plus petit. Te voilà, tu as eu tout ton nom au Cameroun. Comme j'ai dit à l'entrée, on n'est pas héros dans deux endroits à la fois. On n'est pas héros dans deux endroits à la fois. Comment se fait-il que quand vous avez déjà le succès au Cameroun, vous voulez faire comme les autres? On vous dit que l'Europe n'est pas le paradis. Tu parlais te balader, tu parlais te chercher, tant tu n'as encore rien. Comment se fait-il que quelqu'un comme toi qui a déjà gagné ta vie, tu cours là-bas? Tous ceux qui ont gagné leur vie quelque part et qui décident d'aller s'installer ailleurs, la majorité des temps, perdent tout. Vous ne comprenez pas ça? Les exemples sont là, non? La majorité des temps perdent tout. La majorité des temps perdent tout. On ne se déplace pas pour aller s'installer ailleurs brusquement. On fait mollo, mollo, mollo. Je connais un grand frère qui a décidé d'aller s'installer ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord parti. Fait deux mois.
fait 3 mois. Il part constamment. Il maîtrise le terrain. Il s'assoit. Parfois, la majorité des cas, parfois, tu envoies ta famille, c'est-à-dire femme et enfant, s'installer. Toi-même, tu es là en reculant. On ne quitte pas brusquement comme ça, là. Comment? Ton statut au Cameroun te donne le visa. Normalement, naturellement, c'est doucement. Pourquoi vous, qui vous conseille même? Qui vous conseille même, les gars? Quelqu'un va dire que non, il a les papiers, mais ce n'est pas une affaire de papier. C'est une affaire de carrière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de carrière, mes chers frères et sœurs, que je parle. Ce n'est pas une affaire de papier. Même s'il n'avait pas les papiers. Même s'il a les papiers, c'est une affaire de carrière. Et le blanc est très malin. Quand tu viens, tu donnes ton nom. Ils vont souvent à Facebook, à Google, ils tapent. Ils connaissent ta vie. Souvent, dans les informations, tu dis que tu es artiste. Peut-être on va voir là sur ton passeport. Artiste. Ah, tu es artiste. Ils savent qui tu es. Ils vont taper, ils vont à Google. Artiste camerounais. Ah, il fait quel genre de musique? Ah ouais. Donc, il veut un séjour. Parfois, tu as tous les garanties pour avoir les papiers. Ils te compliquent la vie. Parce que tu es là quelqu'un. Pourquoi? Le temps de t'intégrer chez eux. C'est comme ça qu'ils broient les vies. Ils ne sont pas fous. Ne confondez pas le beau-ailleurs qui vient. Il y a les beaux-ailleurs là. Moi, j'ai fait. Moi, en 9 mois, j'ai eu mes papiers dehors. 9 mois. 9 mois. J'ai pas mis l'eau en Libye. Pas mal. Arrivé, j'ai eu les papiers. Ne confonds pas les situations des autres et ta part. Dieu ne fait pas héros la même personne dans deux places différentes. Jamais. Soit tu commences là-bas. On a même vu les gens qui ont tout le succès ailleurs et qui viennent chez eux, on les piétine. Comme Samuel Eto'o, le voir les piétine. Voilà Francine Ngannou, il est venu dans son pays. Est-ce que le Noumguila a reçu? Est-ce qu'il a été reçu à la présidence? Jamais il n'est pas reçu. Il n'est pas reçu à la présidence. L'homme le plus fort du monde n'est pas reçu à la présidence dans son pays. Après, demain, on dit que non, il faut garder. Quelle nationalité il faut garder? Fichez-moi le camp avec sa nationalité. Dégagez avec ça. On est bien chez soi. Qu'est bien chez soi? Fichez-moi le camp. Bien chez soi, comment? Ailleurs, là, tu ne manques pas d'eau, tu ne manques pas d'hôpital. Chez toi, tu peux manquer l'eau sans. Tu peux accepter dehors là, de vivre sans eau, sans lumière. Si tu ne vas crier ton ras-le-bol. Si on ne va pas marcher. Que non, on est bien chez soi. Fichez-le camp, bande d'hypocrites. Vous êtes hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Que non, on est bien chez soi. Non, si on ne le reçoit pas, ça fait quoi? C'est l'honneur. À un moment de la vie, qu'on a tout gagné dans sa vie, on a besoin de l'honneur. Ton pays doit être reconnaissant pour ce que tu as fait. Par exemple, tu hisses le drapeau du Cameroun très haut. Les gens sont contents de recevoir, on part sur la page. C'est ce qui veut dire dans un pays normal, un président qui publie la victoire d'un Camerounais. Hein? Tu connais ce qui veut dire quand un chef d'État prend son téléphone, ou bien sur la page officielle d'un chef d'État, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux d'une présidence, la chaîne nationale. C'est parce qu'ici, là, on a les histoires en bracata. Vous savez ce qui veut dire que quand on est dans un pays normal, on annonce la victoire de quelqu'un ou bien le décès de quelqu'un sur une page. Ou bien surtout la victoire d'un Camerounais, ou bien d'un citoyen sur la page officielle d'un président. Ce que ça signifie. Avec qu'il a rehaussé notre image, nous tous, de la République. Je prends un exemple. Voilà ce gars-là ici. Là. Eux-mêmes, ils sont là, ils ne veulent pas se prononcer. Ils sont là seulement, ils couillent les nuits partout. Pop, c'est le tigre, ou bien c'est le tigre. Voilà un gars qui a été reçu sur les chaînes de télévision. Ses vidéos sont passées sur les grandes pages, sur les grandes chaînes de télévision. Mais c'est le titan noir. Le voilà qui est au Cameroun là. On ne connaît même pas s'il est là. Qui l'a invité? Qui l'a invité? Le titan noir, qui l'a invité? Il est là, il passe son temps à faire les disettes. Comment il mange le bien, haricot, patati, patata. Qui t'a invité? On doit t'inviter. À un moment de la vie, là, apprenons à dire que ça, c'est mon pays. Peut-être nous, on ne nous invite pas. Il y a les chaînes qui nous invitent, moi, je refuse. Mais il y a des gens qui ne s'assument pas aussi. Tant que tu ne sais pas s'ils sont là, ils sont du gouvernement ou bien. Et que non, mais alors que nous, là, peut-être, on a peur de nous inviter. Moi, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mais toi, on peut t'inviter pour ton sport. Bah, tu ne fais pas la politique. C'est ça, on dit valoriser les enfants du pays. Regardez en Côte d'Ivoire. Les faux buzz, on a invité à la télévision. Tout ce qui est bizarre que les citoyens se sont intéressés, c'est ça la vie. C'est ça. C'est ça. Parce que parfois dans la vie, les simples choses font des grandes choses. Les grandes choses à peine font les grandes choses. Non, 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 non. Les grandes choses viennent des petites choses. Voilà le garçon qu'on appelle Titan Noir. Qui l'a invité? Il est là au Cameroun depuis là. Il est au Cameroun là. Hein, c'est normal. Alors qu'on devrait l'inviter. La chaîne nationale doit l'inviter.
Beaucoup de chefs là doivent l'inviter, mais on ne l'invite pas. On ne l'invite pas. C'est pas normal, c'est honteux pour un pays comme le Cameroun. C'est honteux. Donc je revenais à dire ceci, mon cher frère. Te voilà, tu es en chantier, je parle à toi, dynastie le titre. Tu es en chantier au Cameroun, tu es en train de construire les maisons de 100 millions. Oui, c'est bien. Mais sache que c'est ici là que tu as tout eu ça. C'est-à-dire que c'est le travail que tu as matérialisé ici là. C'est le résultat de ça là-bas, là-bas en Bec. C'est parce que tu étais dynastie le titre au Cameroun. Pourquoi subitement vous voulez couper le cordon ombilical quand le succès là commence à venir entrer vrai. Vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire comment les Molars, hein, les Molars sont venus s'installer dans le pays en Côte d'Ivoire. Ça n'empêche pas que les familles sont en Europe. Ça n'empêche pas. Pourquoi? Quelqu'un va dire que non, peut-être il était là. Oui, peut-être il s'est fait un nom étant en Europe. Il s'est fait un nom quand il était en Europe. Toi, tu t'es fait un nom au Cameroun. Faites attention, hein. Faites attention. Tu t'es fait un nom au Cameroun. Pourquoi subitement porter tout, toi, ton corps, à l'aide d'un... Connais que dans la vie, là, quand tu as eu l'inspiration quelque part, nous, là, on a eu notre bonheur que dehors. C'est pourquoi, malgré tout, quand je suis au Cameroun, là, mon corps me gratte toujours. Je suis toujours tenté de partir. C'est parce que c'est pour ça qu'on s'équipe quand on rentre au Cameroun. On aime les casquettes, on achète autant. On aime les chaussures, on achète autant. On aime les pulls, on achète autant. On achète autant pour garder le même style que nous on vit dehors. Parce que c'est très compliqué dehors là. Hein. Ça embrouille. Hein. Ça efface même ton inspiration. Hein. Ah oui. Ça efface ton inspiration. Hein. Comme beaucoup. Ça te fait commettre les erreurs. Ça te fait commettre les bêtises. Tu égares même ton rôle. Tu égares ton devoir. Tu t'égares en chemin. Dieu, il est temps, mon frère, de réfléchir. Il est temps pour toi de réfléchir. De chercher à bien faire. De bien penser. Il est anormal. C'est comme ça. Il est anormal qu'un gars comme Dynastie le Tigre, on t'invite, tu as le visa. Tu pars, tu cales. C'est pas normal. Que tu pars, tu cales. Ça ne respecte pas l'homme africain. Non, ça ne respecte pas. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas un politicien, tu n'as pas un problème. On ne te traite pas dans ton pays. Tu peux quitter le Cameroun, tu pars, tu cales. Ce que tu le dis en mondovision. Ce n'est pas normal. C'est honteux. C'est honteux. C'est pourquoi vous devez apprendre à communiquer. Vous devez avoir les agents de communication qui doivent communiquer quand vous avez les problèmes. Cherchez les administrateurs, vous les donnez les pages. Nous, on n'a pas été à l'école. Nous, quand nous, on parle là, on code certaines choses. Tu ne peux pas venir dire à Mondovision qu'on t'a invité en France pour la quatrième fois. Tu es calé. Ce n'est pas normal. Ça ne crédibilise pas l'homme africain. Il y a des gens ici au Cameroun qui gèrent 2 millions, 3 millions. Qui quittent ici, ils vont en Europe, ils rentrent. Ils ne calent pas. C'est à cause de ce genre de comportement-là qu'on ne nous donne pas le visa, quel que soit ton statut. Parce que voilà, on va te dire, on va prendre l'exemple. On a donné le visa au grand dynastie, le titre. Il est parti calé. Est-ce que c'est normal? Pourquoi ça donne une image à l'Africain? Mais c'est pas bien. Ça ne fait pas foi. C'est des choses qu'ils sont plus bien entendre. Tout récemment, on a vu une qui clashait l'un de nos frères comédiens. Il était en Europe sans papier. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ils savent ce qu'ils font. Le Bozaï qui sort de la Libye, là, de l'Algérie, du Maroc, après 2 ans, là, on lui donne son asile tranquillement. On lui donne ses papiers. Mais toi, on ne te donne pas parce que toi, dynastie le tige. Tu crois te cacher qu'on ne te connaît pas. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas dupes. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Et maintenant, c'est toi qui te lèves, tu viens expliquer ton problème en public. La vidéo là peut faire preuve, ça peut se retourner contre toi. Tes ennemis peuvent prendre ça pour aller te déranger avec, pour rien. C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Apprenez à faire la part des choses. Si vous ne pouvez pas répondre, ne répondez pas. Tout n'est pas le clash, tout n'est pas le buzz. Moi, je vous dis ça. Facebook, pour moi, c'est la réalité. Il y a des choses que si tu commences à me faire là, comme je vois souvent certaines personnes faire là, prépare-toi. Prépare-toi. Moi,
Je ne suis pas dans les bêtises que je ne suis pas là pour. Je ne fais pas le buzz parce que je veux me faire voir ou bien pour hésiter. Je m'en fous de ça. C'est pourquoi j'ai certains problèmes avec certaines personnes. Parce qu'ils veulent que je sois dans le buzz. Je ne suis pas dans le buzz. Je n'ai pas de temps à perdre. L'Afrique est trop pauvre. On est trop misérable pour distraire les gens. Parce que le buzz, pour moi, quand tu fais le buzz, tu es un adepte de la distraction. Voilà, tu es un adepte de la distraction. Quelles que soient les bonnes choses que tu fais là. Non, 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 on doit te classer. Parce que tu es un distracteur. Parce qu'on doit être sérieux. Voilà, on doit être sérieux. On doit être sérieux en certain moment de la vie. Et le jus de canne, il faut consommer le jus de canne. Moi, je le consomme avec. Le citron. Qu'est-ce qu'il va faire avec vous? Elle dit là-dessus le titre que tu as la chance qu'on te donne le visa. Mais prépare ton coup. Soit, si tu veux les longs séjours constamment, qu'est-ce que tu fais? Si tu as ta femme au Cameroun, tu dis à ton producteur, bon, prochainement, j'ai envie que ma femme monte avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ton producteur prend les engagements. On va transformer ta femme comme peut-être une danseuse de ton écurie. Elle va avoir le visa comme certains le font. Ta femme a le visa comme danseuse. Elle arrive en bain, elle tombe enceinte. Hein? On organise. Elle a les papiers. Un autre jour, on organise. Tu reconnais ton enfant. Ou bien tu peux même marquer un enfant en Europe. Hein? Ou bien tu prépares une femme en Europe qui va être la mère de ton enfant que tu vas reconnaître. Tu as ton long séjour tranquillement sans mot de tête. Mais oui, tu as ton séjour sans mot de tête pour éviter ce genre de risque que vous prenez là. Parce que vos risques là affichent l'Afrique. Parce qu'on va dire un artiste camerounais, africain, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Tout doit être préparé en avance. Tu peux venir nous dire à Mondo Vision, Dynastie le Tigre. Avec ce que tu as dit là, tu as 8 terrains. C'est une bonne chose. Je suis content que d'apprendre que la nouvelle génération, ils font bien. C'est une bonne chose que tu es en chantier. Mais n'oublie pas que c'est ici là que tu es devenu tout ce que tu es. Et que la manière que tu es en train de vouloir posséder là n'est pas la bonne des manières. Ça n'honore pas le Cameroun. Ça n'honore pas l'Afrique. Ça n'honore pas l'Afrique. Quand j'ai voyagé, j'ai eu mes millions. À l'époque, j'ai décidé que plus jamais, nous tous on a voyagé, on avait les ressemblances, les doublures, tout ça on a utilisé à l'époque. Sauf qu'il y a des pays que moi j'ai été. Si tu me demandes officiellement que tu étais là-bas, je te dis non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, souvent, Dieu ferme ses yeux sur ton passé qui est sombre. Parfois, Dieu te pardonne. Par vantardise, toi-même, après les années, tu viens te vendre aux enchères. Je connais quelqu'un qui a l'interdiction d'entrer en Europe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était clandestin. Il était clandestin en Bain. Il est venu, il est parti dans un plateau de télévision, donner tous les paramètres, les indicatifs. Son ennemi a pris la vidéo là, allait montrer, on a fouillé jusqu'à découvrir le papier qu'il utilisait. Parce que c'est lui qui a dit. On l'a fermé. On l'a fermé. Donc il y a des pays que moi j'ai fait, que tu me demandes que hein, tu étais dans tel pays, je refuse. Je n'étais pas là-bas. Pourquoi je dois me vanter? Me vanter pourquoi? Comprends seulement que j'étais dans telle place, terminée. J'étais dans tel continent, c'est bon. Le pays où j'appelle là, c'est le pays où j'étais là-bas légalement. C'est comme ça. Ou bien j'étais un peu comme Bozayeur. Le reste là, c'est le Waka Waka, le Iki Iki, le Lampa Lampa. C'est le Boza. Où est le problème? Il y a beaucoup de gens ici que vous voyez au Cameroun là. Ils ne viennent que par le Nigeria. Ils n'entrent pas au Cameroun. Et il ressort, il part au Nigeria, il prend son vol, il part. Jamais de la vie, ils ne te diront jamais ça. Chut. Tant que je suis concerné dans les papiers, là, que chacun ferme sa gueule. Chacun ferme sa bouche. Il y a les meilleurs amis là, qu'ils ont l'asile, ils ne viennent jamais au Cameroun directement. Ils ne te diront jamais ça à toi. C'est une bonne manière. Voilà où je préfère qu'on dise que pour vivre mieux, il faut vivre caché. C'est quand tu as les secrets dans ta vie. Mais si tu n'as rien à cacher, tu peux montrer aux gens. C'est une manière de rendre grâce à Dieu. Que voilà ce que Dieu t'a fait. Mais oui, voilà ce que Dieu m'a fait. On peut aussi réussir naturellement, simplement. Mais quand tu sais que ton passé a les frasques, à un moment de la vie, là, avant de parler, méfie-toi. Voilà le dynastie, le tigre.
qui est en Europe, qui est parti avec le visa, mais qui arrive et qui refuse à son sponsor, qui ne rentre plus. Et tu as dit que Torpedo est même fâché contre toi. Et nous tous, on connaît. Prochainement, ce Torpedo aura des problèmes pour inviter d'autres personnes. Et que c'est le réseau de quelqu'un que tu es en train de gâter. Que toi, tu viens de dire à Mondo Vision. Toi, le grand dynastie, le tigre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais apprenez quand même, quand on a atteint un certain moment de la vie, on ne fait plus les bêtises. Vous avez des relations. Je connais un artiste ici là que il est ami avec les diplomates. Quand on devient grand dans la vie, on se fait des amis. Je connais un artiste ici là que c'est un diplomate qui a pris son passeport, allait prendre le visa, on a tapé dedans, il est parti. Au nom de Dieu. Son ami, diplomate. Mais oui, dans son ambassade, on a mis le Schengen. Mais okay, c'est quoi avec vous? Vous aussi, donc? C'est-à-dire que pendant que les non-nèmes sont dans l'injustice, vous avez de Dieu, quand Dieu te bénit, tu quittes l'injustice. Sinon, si tu continues dans l'injustice, il va te frapper. Il va te rappeler à l'ordre. Et quand Dieu te rappelle à l'ordre, quand il a donné ta part, parce que l'injustice, parfois, Dieu te protège. Dieu protège parfois les bandits, les délinquants là. Dieu nous a protégés à l'époque. Mais si tu continues à persévérer dans ça, il te frappe très fort et tu perds même ce que tu as eu même par tes propres efforts. Ah oui. Arrêtez de vouloir répondre à tout sur la toile. C'est quoi dire que Chantal ici n'est pas bien? Tu viens lever le petit, il sort de ses gonds, il dit les choses qu'il ne devrait pas dire. C'est pas bien. Quand on est une grande personne, on se respecte. Le Chantal ici. Et toi, jeune homme, grand dynastie, le titre, tu es un grand. Vous êtes tous des grands. Il n'y a pas un petit. Nous sommes tous des grands. Quand qui fait les grands, je ne peux pas être grand. Tu peux pas aussi faire ça. Venez dire à Mondo Vision que Torpedo t'a invité en France. Tu as refusé de ne pas rentrer. C'est pas normal. Et pardon, le Bozaïeur va dire que quoi alors? Le Bozaïeur va dire que quoi? Vous fermez la voie aux autres, mais sans vous en rendre compte. Et voilà comme ça aussi, Torpedo, tu le fais maintenant, on va douter de lui. On va douter de son réseau. Ses relations vont commencer à douter de lui. Que te voilà, tu as invité un grand artiste. Tu as invité un grand artiste. Le voilà, il est parti, il est calé. Maintenant, tu veux nous dire quoi? Ça veut dire que voilà un manager maintenant qui va se retrouver face à ses problèmes. Qui va voir son activité en train d'être restreinte. À cause de toi. C'est pas bien. Il y a des choses qui ne doivent pas venir de certaines personnes. Quand Dieu te bénit là, tu laisses que Dieu aide aussi les autres. Ça veut dire que ne gâte pas la route. Ne gâte pas la route. Soit tu prémédites. Prémédites. Tu pars là-bas, tu fais un enfant, tu reconnais l'enfant, tu as tes papiers. Mais quand on t'invite, tu parles légalement. C'est ce que les gens, beaucoup des artistes font ceci là. Et tu n'as pas besoin de fuir l'Afrique. Non. Automatiquement, tu vas perdre ton inspiration. On a vu, non, les Jackie King. Regardez le retour de Fingon. C'est qu'est-ce que peut-être Fingon regrette aujourd'hui. Regardez Fingon, c'est que Fingon est revenu, devenu. Quand Fingon est rentré au Cameroun, mais à peine il avait une page, à peine il avait 50 000 abonnés. Aujourd'hui, Fingon a plus de 1 million d'abonnés. Le travail. Aujourd'hui, il repart hein, légalement quelque part où on a manqué le respect. On a demandé de quitter le territoire. Parce que dans le Schengen, si on te dit de quitter le territoire italien, ça veut dire que c'est la même chose comme en France. On te dit de faire. On te dit de quitter le territoire Schengen. Ah oui, c'est les mêmes gens. Voilà un pays. Donc avec ses papiers, son Schengen, il est parti en Belgique voir sa famille. Donc vous voyez. Donc ça veut dire qu'il regrette. Pourquoi? Parce que la majorité sont ceux-là qui ont eu le succès ici. La majorité sont ceux qui ont le succès ici. Quand tu as eu ta réputation ici, quand tu as eu ton nom ici, là, ne quitte jamais brutalement pour aller t'installer là-bas. Ça va venir seul. Vas-y doucement, ça va venir seul. Va, tu trouveras ton argent, tu rentres, tu amasses. Il n'y a rien de beau quand tu as ton réseau pour avoir ton visa Schengen, américain, hein, et d'autres, everywhere. Et que tu décides d'aller caler. Tu deviens clandestin automatiquement. Tu entres dans la blacklist, puisqu'ils connaissent. Comment ? Ils connaissent que tu es artiste, pourquoi pas ? Ce n'est pas la première fois.
Tu entres une fois, deux fois, trois fois. Ah, tu es crédible. On dit que dans ta vie, on fouille ton historique. Le vrai nom de ce monsieur-là, ce n'est pas Dieudonné. Ah, il s'appelle, son vieux nom n'est pas Dynastie le Tigre. En réalité, il s'appelle, ouais, c'est Ateba, ou bien Tang, quoi, ou bien Emmanuel, ou bien Waman. On fouille, hein? Adam, regardez. Donc, voilà un grand artiste. Oui, voilà. Il te rend la vie dure. Souvent même. Quand tu vas peut-être pour prolonger ton séjour, parfois ils le font même. Parfois ils donnent même 6 mois. Je connais même certains qui ont donné les récépissés de 6 mois. Parfois tu donnes même un séjour d'un an. Après la deuxième année, bam, on te bloque. Ils savent manipuler. Tu dois t'intégrer chez eux. Tu dois t'intégrer chez eux. On appelle ça l'intégration. Ils te perdent le temps, 5 ans, 10 ans. Ils embrouillent ta vie. Pendant ce temps, le petit Bozaïe que tu vois en Ghana là, il arrive, on lui donne ses papiers. C'est pas, on sait que celui-là n'a pas d'issue. Toi, tu as les issues. Tu as la possibilité d'aller et revenir. Mais toi, tu viens pour caler. Ils te font ça dur. Faites attention. Ils ne sont pas dupes. Arrêtez de tomber dans ce genre de piège-là, les gars. Hein? Arrêtez de tomber dans le genre de piège-là. Tu as dit à Mondo Vision que tu ne reviens pas. L'homme camerounais est devenu tellement aigri. Quand tu vois une soeur comme ta grande soeur, là, elle peut même t'accoucher comme tu as dit. Cette femme-là de l'autre vient te trahir à Mondo Vision. Chanta ici. Donc, c'est-à-dire elle vient te diaboliser que à la présidence, on te regarde mal. Elle vient te diaboliser pour qu'on te fasse plus confiance. Le même courage qu'elle a eu là. Les mêmes courageux, certains peuvent aussi prendre ta vidéo là, pour aller dans la ville. Là, tu as dit que tu habites dans la ville de Macon. Les mêmes là peuvent prendre ta vidéo là. Partez dans la ville là où tu te trouves là. Fais une fausse déclaration pour rien. Alors que tu es toi en sécurité dans une ville. C'est les choses même qu'on code, on ne dit pas. La seule personne qui revient sur les erreurs du passé, c'est l'homme blanc. Il n'est pas comme en Afrique quand on dit que ah, c'est passé, non. Oh. L'homme blanc ne pardonne pas les erreurs que tu as commises hier. Tu vas que payer. Ah oui. Et tu dois payer. Ils sont capables de chez nous, non, la loi n'est pas rétroactive, non. Mais chez eux, là, c'est rétroactif. On arrête des criminels on arrête des criminels qui ont commis les crimes il y a cela 50 ans, 40 ans. On revient sur eux. Quand j'allais à l'époque en Thaïlande, j'avais un Allemand, un pote à moi, un vieux père, il avait peut-être 95 ans. Vous savez comment on est venu l'arrêter? À Pattaya, c'est en Thaïlande, la ville touristique. Il était lui caché là-bas, il s'est marié. On est venu le pêcher que là-bas. Les anciens complices de Hitler. On est venu pêcher le père allemand là que à Pattaya. Il avait même changé le nom. On est venu le pêcher. Imaginez le temps de Hitler, ça fait combien d'années? Pourquoi vous n'êtes pas sage? Pourquoi vous venez répondre tout? Hein, pourquoi? Ça a passé, quelqu'un a fait le direct pour se faire voir, que tu l'as aussi fait le direct pour te faire voir, mon cher. Non. Tu pisses sur ça, tu avances. C'est de ça qu'il s'agit. Tu pisses sur ça, tu avances. On vient vous piéger. On sait certaines choses. On vous identifie sur le chantier. N'est-ce pas, tu es en train de construire la maison. N'est-ce pas, tu as rencontré tel, le MSC. Tu t'en fous. Tu avances. Tu avances, garçon. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est qu'il est temps pour toi de rentrer au Cameroun. Laisse ça. Regarde tes aînés là. Mbeng les a détruits. Tu perds même parfois l'inspiration. Parfois tu chantes bien, mais ça n'a pas du répondant ici là. Parfois tu peux immigrer. Parce que tu veux chanter, tu veux changer le genre musical. Parfois, tu peux immigrer parce que tu veux changer le genre musical. Quelqu'un m'a dit que non, Richard Abouna font la war music. Ils se sont intégrés. On les a plus connus là-bas qu'au Cameroun. C'est différent. Si tu veux changer le genre musical, que le premier marché sera là-bas, c'est bien. Mais si tu vas continuer dans ton rythme de chanson pour l'Afrique et vivre là-bas, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué. Très compliqué. Les plus forts que toi, les plus grands que toi, là-bas, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est que ces gens-là, ils ont le flair. Le Ndemman arrive, non? On lui donne les kaolo. Mais toi, Dynastie le Tigre, on va te faire ça dur.
Ils te font ça dur. Si tu es en Europe parce que tu veux changer le genre musical, c'est bien. C'est comme, voilà, c'est dans les noms. Et parfois, il faut être intelligent. Pour un marquer comme l'enfant. Tu peux faire un mariage, c'est bien. C'est bien. Mais ton séjour, c'est mieux qu'il faut que tu rentres déjà. C'est très important. Or, quand même, les gens qui sont mariés, on les a refusé le papier. Ils te font ça dur. Parce que tu n'es pas une nécessité. L'homme occidental préfère les nécessités. Le nécessité, c'est que ici, là, c'est ma vie, c'est mon devant, derrière, on te donne vie les papiers. Mais quand tu n'es pas un cas, une nécessité, là, il te ramène à l'intégration. Pourquoi? Parce que pendant ton intégration, il te pose la question, mais tu avais fait combien d'années en route? Vraiment, j'étais en Algérie, j'ai fait 2 ans, 3 ans. Ok, et après, oh, je suis arrivé ici. On te perd le temps. On te donne les bas récépissés. On te donne les récépissés. On te perd le temps. Le temps que tu t'intègres. Le temps que tu t'intègres. C'est toujours aussi une forme de vice. Quand on te donne les papiers, on interdit rien que ton pays. Bah, tu as l'asile. Le temps que tu t'intègres, tu vois, tu as fait 10 ans, tu deviens comme eux. Tu deviens quelqu'un de normal. Ailleurs, aucun pays ailleurs, tu vas arriver directement là. On te donne les papiers. Il n'y a que les hommes politiques. Parce que les hommes politiques jouent à leur faveur. Les hommes politiques roulent à leur faveur. Les hommes politiques roulent à leur faveur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez même vu que même votre grand frère Vassero, hein, malgré qu'il est là-bas, il est toujours à côté de ses frères camerounais. C'est comme ça. Vous voyez, il s'intègre un peu. Pourquoi? Vassero, quand tu vois Vassero a préparé son bain depuis le Cameroun, il avait sa femme blanche depuis. Donc rien ne le fuit du hasard. À un moment de la vie, il faut être sage. C'est vous qui dites que non, que c'est un fumeur de chanvre. Mais il est intelligent. Il a préparé son bain depuis. Pas que c'est différent. Rien ne le fuit du hasard. Mais parfois, les gens vous font voir ce que vous voulez voir d'eux. Mais en réalité, le secret est caché. Comme il est souvent dit là, les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs vous montrent les activités qui ne marchent pas. Les activités qui marchent, ils les cachent. C'est clair. C'est comme ça. Souvent, les gens vous font voir ce qu'ils veulent que vous voyez. Mais les vraies choses, ils ne vous font pas voir. C'est clair. Mais vous aussi, vous voulez imiter en tombant dedans tout le monde. Il faut faire attention. Mon cher frère, il faut me taguer ce garçon-là de Dinati. Il est temps pour toi, il faut rentrer. Il faut rentrer au Cameroun, laisse. Il faut rentrer. C'est mieux de rentrer. Parce que ce que tu as fait n'est pas bien. Voilà. Ce que tu as fait n'est pas bien. Sauf si tu as rien ton bain depuis. C'est une bonne chose. Mais il est temps pour toi de rentrer. Non, comment tu dis que la musique ne paye pas en Europe? La musique paye en Europe. La musique paye bien en Europe. Il y a les Africains. La musique paye bien en Europe. Mais je dis bien que ça détruit beaucoup de talents. Ça te fait perdre l'inspiration. Ça te fait perdre l'inspiration. Sauf si tu as décidé de durer là-bas pour longtemps. Avant de ressortir. C'est une bonne chose. Mais c'est ta carrière qui est en jeu. Hein. Je vais citer les noms. Où sont les sticks pas ça, moi? Madame Gakito Kamou était parmi nous. Top, au top de top. Aujourd'hui, aux États-Unis. Oui, tu as les papiers. Mais au pire de ta carrière. Au pire de ta carrière. Là où tu partais avec le visa, tu partais faire les concerts. Là-bas, tu deviens l'ombre de toi-même. Au pire de ta carrière. C'est quoi? Vous ne voulez plus chanter? C'est quoi avec vous? L'argent ne peut pas prendre la place de tout dans la vie quand même. C'est quoi? C'est la misère nous a tellement réduit que nous, tu vas voir quelqu'un qui a le talent, il met son talent de côté parce qu'il suit l'argent. Mais non quand même. Mais non quand même. Les Atiengo. Hein? Les Atiengo, tout ça. C'est pas normal. Les mignons cités. Oui, quelqu'un va dire qu'il chantait quoi, mais attends, même les Arafat aussi chantaient quoi. On ne chante pas tout ce qui est bien. Les millions cités étant au Cameroun, mais pop, ben, ouh, terminé. Hein? Les Guy Manou, tout c'est quoi? Les Guy Manou, le mari de fille, c'est quoi? Y a les millions cités, ah, les Guy Manou, tout ça. À sous-préfet, sous-préfet, oh oh. Même les autres ont baissé.
Même les autres, même les autres. Puisque quand tu n'es plus là, il n'y a plus de publicité, il n'y a plus de pub à ton endroit. Les bendis matéqués, il faut dire la vérité. Même quand tu chantes bien, ça n'a pas l'impact. Il faut comprendre que la nature a horreur du vide. Même quand tu chantes bien, ça n'a pas d'impact. On voit ici beaucoup les gens qui font les faux tapages. Hein, les gens qui ne chantent même rien. Ils sont nombreux, les Kaloska. Kaloska. Hein, les gars qui ont fait la pluie le beau temps. Voilà l'autre, non? L'autre là. Voilà Grand Barak. Ses chansons ont tourné un moment même plus que certains artistes qui sont en vue. Voilà celui-ci, Nyang on le Sud. Nyang on le Sud. Nyang on le Sud. Ses chansons tournent même parfois plus que même. Plus que, parce qu'il est tout là. Il est en mouvement alors qu'il ne chante rien. Il est là. Ah oui, quand vous disparaissez, les gens prennent vos places. C'est comme ça. Les gens vont se plaindre. Oh, les web séries ne sont pas les comédiens, mais vous avez disparu. Vous devez occuper la toile. Occuper la toile, les comédiens, occuper la toile. Un comédien, web série n'est pas. Les web séries ne sont pas les comédiens, mais vous n'occupez pas la toile. Les autres prennent votre place. C'est clair. Quand tu refuses de t'exprimer, là, il faut t'exprimer. Les autres prennent vos places. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, comme dit un adage, la nature a horreur du vide. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire comment? Vous allez vous parler, mais vous ne pouvez pas faire le contraire. Il est temps pour vous de rentrer. C'est pas bien. Parce que tu vas encore tomber dans le même piège. Hein, le code de Sitonie. Regardez le code de Sitonie. Regardez le code de Sitonie. Il ne faut pas confondre ceux qui font la world music. Hein. Non, il ne faut pas confondre ceux-là. Ceux qui font la world music n'ont pas de problème. Voilà. Ceux qui font la world music. Vous avez vu les papas Wemba, quand ils sont partis en Europe, ils ont mis là-bas. Après, ils ont commencé. Ils ont chanté style world music. Ils sont intégrés. C'était l'époque. Mais on ne peut pas quitter quelque part où on a là le talent. On te connaît déjà. Tu pars ailleurs. Non, tu deviens personne non grata. Mais oui, c'est clair. Mais au moins, il a le talent. Sergio Paulet, gardien, oui, mais il a le talent quand même. Parce qu'être là-bas, avoir toute l'inspiration, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, les gars. Pas facile. Pas facile. Voilà. Ce que je voulais dire ce matin. Donc, il y a les produits. Pour ceux qui veulent perdre du poids, on a l'inicilline. Pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà. Pour ceux qui veulent baisser la consommation de lumière chez eux, c'est un refroidisseur de câble, voilà. Voilà, pour les chutes de cheveux, calvitie, barbe. Pour ceux qui souffrent de la goutte, voilà. On a le produit. Il y a le jus de canne, hein. Passez vos commandes. Voilà. Donc, vous m'appelez à mon numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98 pour tous ceux qui ont besoin de mes produits. Je n'ai pas fait le direct depuis de une heure de temps, quoi qu'on a dépassé. Donc, je vais vous laisser. Big up à tout le monde. Bonne journée et bon début de semaine. I love you.